Voilà, je suis avec le Negro Solide au Bando Geek Festival. Ah, Game Boy, regardez, là, la grosse Game Boy, là, regarde, regarde. Game Boy. Là. Alors, comme vous allez le voir, Patrick est un ancien champion du monde sur Tetris. Là, il y a un trou, là, ouais, frère. Il y a un trou. Bon, là, il y aura un trou. Bon, là, je crois qu'il a du mal à jouer parce que la manette est cassée. Hein, mais je vous assure, c'est un ancien champion du monde sur Tetris. Oh! Attends, attends, il sort quand le MDR? Samedi, je crois, non? Aujourd'hui, non? Aujourd'hui? Non. Non, mais je crois que comme son nom l'indique, je crois que ça sort lundi. Non! On va baiser les culs. On va rencontrer le très cher followers. Qui sont mineurs? Qui sont mineurs. Faut rappeler, ils sont mineurs. Et surtout, ce qui est très cool, c'est de rencontrer ceux qui sont du terroir, de la localité. Du terroir, d'accord. Tout à fait. Toi, tu n'es pas du terroir. Non. Hein, espèce de même. Ces conventions bordelaises sont à échelle humaine, donc échelle humaine, je vais y arriver. Et on a le temps de rencontrer les gens et de prendre le temps. C'est pas en mode. C'est pas en mode. Comment dire, usine, en mode vas-y, on fait défiler des gens. Là, on peut prendre le temps, c'est quand même super cool. Et faut dire que tout le staff est très sympa et l'organisation nous accueille avec les produits du terroir. Oh. Et ça, je trouve que c'est quand même très très classe. Pendant ce temps-là, Patrick, sur Tetris. Bravo. En arrivant au stand de dédicace, je me suis posé une question, mais qui a pété ? Là, on reconnaît nos abonnés. Captain America, c'est quand même un peu reculé. Oui, oui, oui. Comment tu le sens, le bac, cette année ? Très facile. Très, très, très facile. Ah, c'est balèze, hein. Alors franchement, cette année, sur ce moment, tu sens comment ? Comme tu peux le voir sur mes statistiques YouTube, j'ai très peu d'abonnés filles sur ma chaîne. Je ne sais pas comment faire pour les attirer. Et si je faisais une vidéo sur le yaoi, tu crois que ça marcherait ça? Salut, c'est le vlog de Brice. Alors aujourd'hui on va aller en prison, voilà. Hein, parce que bon, Brice il aime bien les petits bails, hein, voilà. D'ailleurs, si Brice, tu pouvais arrêter de crier hentai par contre, c'est chiant. Hentai. Donc voilà, on a fini la séance de dédicace avec JV et Patrick. Il y avait pas mal de monde. Donc là, je me retrouve avec plus beaucoup de cartons de dédicace. Donc demain, ça va être compliqué. Non, mais non, le droit à l'image. Plus dalle. Non. C'est toujours aussi bon. Merci. Allez, à plus. Ciao. Où est-ce que t'as acheté tes lunettes, tu m'as dit? Là-bas, mais si tu veux, hein, je peux. On peut passer par là? Ouais. Ok. C'est cool, c'est mon premier Bordeaux Geek Festival. Je vois pas beaucoup de geeks, hein, je vois beaucoup de gens qui transpirent, donc c'est pas pareil. Et donc là, je vais essayer de trouver la boutique qui vend les mêmes lunettes. Je veux les mêmes. Bon, bah, c'est reparti avec mes nouvelles lunettes. Par contre, je vois que dalle. Ce qui est assez chiant dans les conventions, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a envie d'acheter et on n'a pas forcément l'argent. Enfin si, on a l'argent des abonnés, mais bon, il n'est pas illimité non plus, tu vois. Tu t'appelles comment? Alors moi je m'appelle Sekou. Et tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu vas faire quoi dans la vie? Cuisinier, dans les marques. Donc ils sont riches, les abonnés, ils sont extrêmement riches. Ils sont extrêmement riches, les abonnés. Merci beaucoup. Alors merci encore à ces petits gars qui m'ont offert un petit poster de League of Legends. Ah, ils ont de l'argent mes abonnés. Hein. Bon là, je retourne voir Gagmi. Je pense qu'on va pas tarder à y aller. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Je pense qu'on va faire une petite sortie. Mais je ne sais pas encore où. Quand on va en convention, on est obligé de préparer des vidéos à l'avance. Comme ce que j'ai fait là actuellement pour ce week-end. Donc demain, normalement, il y aura une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Enfin, je donne mon avis sur,
sur les trois premiers arcs. Je vais essayer de produire plus de vidéos en avance pour être tranquille cet été. Parce que cet été, j'aimerais bien commencer à travailler sur ma web-série. Je vous en parlerai un peu plus tard. En fait, c'est le mec de Gawichi, alors c'est la première fois que je l'ai rencontré en vrai. Tiens, avec le poteau William. Merci. Wow. Visuel. Jean-Michel, ça va aller aussi. Okay. Marc, tu peux dire un truc pour ma chaîne? Tu peux dire un truc pour ma chaîne? Non, mais c'est vrai. Voilà, il faut y galérer. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux dire un truc pour la chaîne? Parle bien devant le micro. Alors, j'adore la chaîne de Gawichi. Hein, on passe toujours un bon moment et j'espère les rencontrer en vrai parce que mes idoles, tu vois. Wow. Ah, je suis stressé là. Bon, dans 15 minutes, on va essayer le Escape Hunt avec la clique. Dans la boîte, y'a rien. On a une bombe qui va exploser dans 15 minutes. Donc il faut résoudre 3 énigmes pour désamorcer la bombe. Moi, pour l'instant, avec Marc, on fait les beaux. Hein, alors que les autres, ils travaillent. Voilà, deuxième jour au Bordeaux Geek Festival. On a un peu de retard pour les dédicaces parce qu'on s'est couché tard, on a eu du mal à se lever. Il y a déjà des gens, regardez. On a combien de minutes de retard? Oh, ça va, ça va. On arrive. Alors, pour la petite histoire, un adolescent nous a reconnus, Jigme, Pat et moi, dans le tram et il a immédiatement appelé un de ses potes pour lui dire qu'il était dans le tram avec les deux Chinois et le noir de YouTube. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit et oui, c'était assez malaisant. Non mais le gamin, mais il m'a fait phaser, je te jure. Normalement, je suis toujours patient, toujours gentil et tout, mais là, j'avais envie de me claquer le gosse. Je te jure, mais aucun respect, il était à côté comme ça. Mais genre, il était à 2 mètres de nous, comme ça, en mode « Non, mais je te jure, ils sont là, je te jure !» Mais tu sais, genre, comme c'était un mec... Ils sont en train de marcher. Non, mais ils sont en train de marcher. C'est en train de filmer. Bon, la plupart du temps, nous avons des abonnés adorables, et puis parfois, nous avons des boulets qui ne respectent rien. Voilà, j'ai passé une très bonne convention au Bordeaux Geek Festival. Le staff ainsi que les abonnés ont été adorables. Dites-moi en commentaire quelle convention voulez-vous que je fasse. J'essaierai de contacter les organisateurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu veux voir mon précédent vlog, clique sur la playlist de gauche. Sinon, si tu veux voir mon dernier avis, clique sur la playlist de droite. Sinon, j'ai aussi une boutique de t-shirts. Le lien se trouve dans la description.